Cette semaine, c'est l'empereur. J'arrête l'alcool. Je me remets au sport. Et on charbonne. Je t'ai dit le fait que je filme un maximum de choses. C'est un club complètement vegan. Ça va. Il y a un copain. Il y a un copain, Gaïa. On fait la France. C'est pour la balle. Hey, Montpellier by night. Malgré un début trash, je comptais me recadrer à Montpellier. Et là, j'ai la flemme un peu de tout, hein. C'est vrai. Tu vas retrouver de l'énergie. Ouais. La isla bonita, lili la loulali. Allez, ça court. Tu vas quoi? Je vais redécouper les oignons, là, parce que j'ai un peu été grossier. Oh, grand geyser. Tu mets des grattes, tu peux cuire ton papou. Eh oui. Salut ta puissance. Salut. Ça va? Ça va quoi? Ça filme. Ouais. Allez, cours là. T'as un mat? Bah je vas-y, je cours. J'étais pas là pour brasser du vent. Mais entre la flemme et un début de crève, j'avais du mal à retrouver le moral. Fallait un travail de fond. Je vais mourir. Chloé. Chloé, je vais mourir. J'ai un rêve. Putain, non mais vraiment, c'est chiant. Y a plein de trucs dans le rap et dans la musique qui sont devenus des trucs que j'écoute. C'est la flemme, tu vois. Quoi? Tu peux pas les rapper, du coup, aujourd'hui? Je sais pas. Tout le monde te dit, oh, c'est un métier passion et tout, t'es là. Sans reculer. Enfin, genre, possible, tu vois, je bosse des milliers d'heures depuis des années sans être payé, quoi, et même je dépense de l'argent. J'ai pris trop d'un coup. Et pourtant, là. Ce taf, en fait, devient un truc qui me plaît vraiment, alors que ça me rajoute encore un degré de travail. Mais... Tu veux essayer, Anne? Ouais. Ouais. Putain. Mais aussi parce qu'en fait, c'est quand même une ambition de longue date. Moi, là-bas, je voulais être réalisateur, tu vois. On va faire du beach. Allez, tranquille, Chloé. On est en plein mois de novembre et je suis dans le sud. Je fais un beach volleyball avec des meufs ultra stylées. En fait, il y a pire comme vie. Je pense que n'importe qui de normalement constitué peut envier ma situation. Mais j'ai toujours des doutes et je lutte pour trouver du sens alors que je devrais juste kiffer. J'ai vu masse de signes comme un message que le ciel n'arrête pas de me dire. Le rêve, je suis qu'un un ou deux étages de vivre, mais je dramatise. Même quand c'est pas grave, ouais j'aime pas ce que je suis pensé banal. En jouant dans la rue, j'ai connecté avec un acteur très cool qui m'a fait rencontrer ses collègues. Toutes les personnes qui ont loué ici, on est tous en deuxième année au bon. Ok. C'est un bon conseil d'être en ville, etc. Je me suis dit, bah, cool, le mec il arrive, tac, il se pose, allez, ça se passe comme ça. Fais-le comme l'a dit tout à l'heure un petit peu. C'est vraiment grâce à ces rencontres que je garde l'envie et que j'ai plus confiance en l'autre. Ce que j'aime bien en fait, c'est de reconnaître. Ça là, tu vois, genre la vibe de un peu humaniste, vaguement, parce qu'on n'est pas non plus dans l'humanitaire, tu vois, mais au moins de se dire, ouais, tu reconnais que les gens ont une démarche assez audacieuse et tu récompenses ça avec ta propre audace, tu vois. Et ouais, là on a une chance d'examen. Fuck! Tu peux réussir s'il te plaît pour le vlog? Je considère que c'est comme ça en. En se trouvant à pleine possibilité, en faisant bonne combinaison, enfin, en faisant un réseau intéressant, qu'on peut se permettre de créer des projets et puis se faire kiffer. Oh! Le robot! J'ai un peu failli faire comme toi. Geoffrey avait un métier dans l'aéronautique et souhaitait être pilote.
mais il s'est redirigé vers le théâtre. J'étais officier en formation, tu vois. Je suis parti à Saint-Cyr et j'allais m'engager pour 10 ans. Et j'ai quitté ça parce que l'art et les envies, et pareil, au pied du mur, tu te dis, bah, c'est quoi que tu recherches? On veut tous être libres, mais faut se définir une quête, accepter un rôle et s'en rendre pleinement acteur. Ah, regarde. Viens à côté de moi. Quoi? Est-ce que cette semaine va clarifier mon chemin? Alors, qu'est-ce que tu fais si ça marche pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Léma? Léma, il a un chien. Mais t'as vraiment un petit chien, tu vois. C'est un fidèle compagnon qui est là. Non, vraiment, je sais pas. Hein. Bah, c'est trop bien, parce que moi, pour réfléchir, pour poser des questions. Ouais, c'est aussi quelqu'un qui se déplace, qui est en chemin. Il a son petit baluchon. C'est toi. Ça s'appelle Matt. Hein? Ça s'appelle Matt. Et en plus, ça s'appelle Matt. Ouais. C'est ouf. Hein. Merci, docteur. Peut-être que sur ta route, tu vas trouver un petit chien que tu vas ramener chez toi. C'est bon, ouais. Ben. Les deux oreilles, l'œil. Ah, ça va pas à la Chloé, là. Même les saltimbanques ont besoin d'une stratégie. C'est à nous de placer les pièces au bon endroit. Si c'est symétrique, justement. Ah, restez de me filmer, monsieur. Le but, c'est pas forcément le sommet, mais au moins d'être stable. Si ça marche pas, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu serais prêt à renoncer de faire du rap, bah, pour trouver un autre sens, entre guillemets, dans le terme sens, je parle métier? Ouais. J'ai besoin d'ordonner mes priorités et essayer de viser juste. Et c'est quoi pas marcher? Bah, pas marcher, c'est pas pouvoir en vivre, je pense. Ouais. C'est ça le but, c'est que tu perds pas, que tu viennes pas hyper célèbre, c'est pas grave. Le but, c'est quand même que tu puisses en vivre. Et je comprends pas. Mais si, tu comprends. Faut que tu sois plus clair dans tes explications. Toi, t'es parti pour faire une quête, pour un peu peut-être chercher des trucs. Genre, ok, t'as le projet un peu des humains et aussi ton projet de musique, qui ouais. Est quand même le fil rouge. Mais derrière ça, il y a quand même un côté plus profond où t'es un peu dans ta propre recherche, ta propre quête. T'arrives à des moments où peut-être chacun dans notre vie est des tournants. Océane, c'était bien ou pas? C'était comme ça. C'est ta quête, mais c'est comme si finalement c'était toi qui venais nous donner des réponses. Évidemment, ça va dans les deux sens, et je me nourris complètement des réponses des autres. Ta quête, c'est peut-être juste d'être dans ces moments-là pour les gens que tu vas croiser, tu vois. Ouais, peut-être. Ça a du sens ce que je dis. Ouais. On pourra pas guérir l'humanité entière, tu vois, mais on essaie de se reconnaître entre humains qui peuvent apporter quelque chose aux autres. Peut-être que ta quête, finalement, c'est juste d'aider les autres. Non, mais ouais. On est à la semaine où j'essaie de remettre de l'ordre un peu dans tout ce que je vis. Et en même temps, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Que la vie que je mène n'est pas vraiment la mienne. Et pourtant, c'est bien moi. Ce que je vis est cool. Et il faut que j'arrive à m'en satisfaire. Il faut que j'arrive à me connecter vraiment à mes sensations. And I'm feeling good. Je découvre des trucs. C'est quoi ce délire? Où suis-je? Je suis au milieu d'une foule de statues qui me matent. Qu'est-ce que vous voulez? Bande de tocards. C'est l'histoire d'une femme qui se rebelle. Tu dis des folies? Je me fâcherai à la fin. Contre les tirs de son mari et de la société. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Spécifique, pas pour toutes, ce que tu veux! Et qui décide enfin de vivre là où la société lui interdit de mourir et de servir son homme pour toujours. J'ai soif de choses sérieuses. Je veux respirer le grand air du ciel. Emporterai-je vos billets de banque dans la tombe? Combien croyez-vous donc qu'on ait de temps à vivre? On n'a qu'une vie, il faut la profiter. Je suis moi. Je vis mes sensations. J'accepte.
mes ambitions, mes envies, que votre regard ne m'importe pas. Et je mérite ce que je vis. J'essaie de rebâtir mes fondements, au point où je reconnecte avec de la famille que je connaissais quasi pas. À la base, le Pérou, c'est un pays multiculturel. Une de mes cousines est mariée à un Péruvien et ils ont 3 enfants. J'ai donc de la famille péruvienne, que je découvre seulement. Je sais que j'aime bien que quand on arrive les gens là-bas, c'est plus... Tout le monde vient, on s'assoit, on mange. Ce que j'aime au Pérou, c'est cette disponibilité des gens. En fait. Ils arrivent à prendre le temps pour les choses importantes. Et là-bas, c'est normal. C'est normal, ouais. C'est cool de savoir que j'ai des proches avec des coutumes différentes, mais avec qui je peux m'entendre très bien. Tu as raconté mon premier Noël. C'était Noël. Ouais. Des petits gamins, petit Manolo qui arrive en France. C'était à minuit, non? J'achète une bouteille de champagne. On est pensé que, comme chez moi, qu'on sort tout à minuit, tout le monde en sort dehors, ouais. On se fait un grand câlin, on sort les chocolats chauds, et que tout le monde discute, c'est nouvel an, ou Noël, pareil, ouais. C'est pareil hein, pour nous. Et qu'on aime, c'est ça, hein. Ah, ça sent bon, là. Un sujet à ça, hein. Je ferme les fenêtres, minuit. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Même pas la lumière. Leur spiritualité les rapproche plus de la terre que nous, au point de se faire parrainer par elle. La première coupe de cheveux, tu vas lui donner les cheveux à la montagne? La terre. Des fois, c'est la montagne, ça peut être la mer, ça peut être la rivière. Le plus puissant, parce que comme à Montpellier on parle, de hier, non, c'est le pic Saint-Loup. Derrière ces gros nuages là-bas, oui. Il y a le pic Saint-Loup. On s'est laissé connecter à la. On les laisse sur. À la montagne, ou ouais. À la mer, ça peut être même pour la rivière. Mais c'est marrant en plus parce qu'à Montpellier, c'est la première ville que je vois accentuer ça, le rapport aux éléments. L'air avec la lune, aux hirondelles blanches au fond bleu. L'air. La terre avec les fleurs de la ligne 2. La terre. L'eau et les décors sous-marins de la ligne 3. Éléments de l'eau. Le feu. Le feu. Et sauf que là, ils vont faire la cinquième ligne. Du coup, ça nique le truc. Bah oui. Je sais pas. C'est le cinquième élément. Élément espace. L'étoile noire. J'essaie de trouver les éléments essentiels pour rebâtir mes fondements. Ça passe par la famille et les potes, et aussi les rencontres et mon rapport aux humains. Et mon rapport au rap en fait partie. Et moi je travaille, donc la thèse s'appelle Flow et usage de flow. Ok. Le titre cool et le titre chiant, c'est les enjeux poétiques et patrimoniaux du lyricisme dans le rap français. Et t'as jamais fait de rap? Non, j'ai essayé une fois, je crois qu'à 13 ans, j'ai fait un morceau. Je m'appelais Lil Maz. Lil Maz? Lil Mazané, c'était mon village, c'est Mazan. C'était pété. Hein. Mais tu rap, tu coup? Moi je rappe, ouais. Allô, je suis sur le répondeur. J'ai pas pris ta rime, non, je suis pas allure. Pas trop avec mes propres textes parce que j'écris et beaucoup et j'oublie beaucoup. Okay. Donc, t'as pas l'air, mais c'est pas grave. Moi je fais pas dans les sacs, t'as pas l'œil. Plus dans l'impro qui peut être totalement fracasse comme elle peut être cool, tu vois. Oh, désolé, je suis un turc. Genre le truc sur lequel tu squattes, tu sais pas quelle position faut prendre. Je suis le genre de mec. Les lyrics, tu dois les apprendre. Ouais. Le but, c'est de pas être en surplomb là, de pas dire faire dire des trucs aux rappeurs, tu vois, c'est de partir de aussi des notions du genre, tu vois, de partir de du flow, du sound, de l'ego trip et réfléchir à ça. Comme si c'est moi l'oracle, je sais même pas. T'es ma, j'ai pas froid normal, j'ai 3 anorak. Je te prêche, je te reprends, ça va vite. Je fais vite comme Sonic. Sur l'autoroute à 2,20. Mon gars, je suis 2,20. Mais c'est pas possible, c'est trop haut pour mon corps. T'es ma, y'a plus de poils dans mon écu sur ton torse. Grand main pour je suis haché. Ma gueule, je vais les tarter quand même. Si je m'en sors tout seul, ma gueule, c'est que la mère elle-même. Yeah. Tu sais qu'il te fait des trucs que Kabal fait pas. T'as pas mieux, hein. Des phases de génie que... Non mais les phases, c'est alpha. Ouais. C'est un peu paradoxal, je trouve, de faire une thèse. Toi, c'est très académique. Après, tu finis à 22h30, tu peux pas aller acheter un truc de côté. Ouais, voilà, c'est un peu étonnant, toi, de parler de rap de manière sérieuse. Et du coup, et en même temps, c'est l'idée, c'est de prendre sur le rap et de... Pour le reste, on verra. On verra. Je sais pas, si vous êtes déjà familier avec l'impro et le rap, j'ai pas besoin de vous apprendre à faire quoi que ce soit. Le petit, il a pas eu de bol, il a pris son pain de thorax.
Comment tu décris ce truc bizarre qui se passe quand quelqu'un rappe, tu vois? Faut de la finance pour bien bosser nos shit. On vit dans un monde de merde, si je vends de la weed, je pense que c'est un pédophile. Je crois que mon problème, si je peux au fil. Non, je vais rentrer certainement tard, exploser, à pas savoir ce que je fais. Sur la scène d'un vélo de ville. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu d'électro. C'est à la fois du texte, à la fois c'est de la performance physique, il y a un truc un peu sportif presque. Purée, sentiment d'implosion quand tu reposes son couple et réussis, ça c'est avec la prod avec du respect, puis ça rend un clean sheet. Il joue sur des variations d'élocution, ouais. De cadence. Vu est un peu obsolète, je fais face à moi-même en me disant fuck, il est pas top ce mec. D'intonation. Je finisse en mode ah non, les forces semaines, des coups que plus fort que les gouttes vas en porcelaine. Si je pose ma voix d'avance, la prod sera pas sereine. Et accentuation. Ça sert à rien si je débite, le choix se résume à vivre ou périr, et attention, le choix te met dans le péril. Au fond de moi, j'ai cet amour du rap, de ces moments où je suis nourri par les éléments qui s'alignent et où le temps se suspend. Tu vois, c'est comme un sportif qui fait un geste technique, il a pas besoin de savoir comment s'appelle le geste technique. C'est... Ouais. Mais d'un point de vue extérieur, en tant que commentateur, tu dis bah c'est pas une roulette qu'il a fait, tu vois. Mais... Elle entrera pas à l'antiro parce qu'elle est complètement weirdo. On atteint un état de semi-conscience étrange quand on freestyle, qui peut être proche de l'auto-hypnose. Il faut à la fois s'ouvrir à tout et penser à rien en même temps. Globalement, je pense que c'est une stratégie viable pour beaucoup de choses dans la vie. Excuse-moi, vous attendez l'heure du groupe, c'est ça? Oui, ils sont pas revenus ou quoi? On attend la moula. Je pense que. On attend la moula. Ils sont allés avancer. Faut apprendre à être bon, mais savoir quand même s'en foutre. Tu vois, on fait des petits raps en attendant, mais tu vois, il a pas le time. Faut accepter d'avoir l'air bête, de prendre une position qui nous met en difficulté et de s'exposer, mais au moins d'oser et d'être stable dans ce courage de faire et d'être. Au final, la maîtrise, c'est pas la perfection. C'est un équilibre qui joue entre garder le contrôle et savoir lâcher prise.